Et écoutez cette autre chanson du groupe Harmonie. Ils vont nous chanter quelque chose de précieux. Ils vont chanter quelque chose pour toi, pour vous qui écoutez aujourd'hui l'Évangile. L'Évangile veut dire la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est pour moi, et pour elle, et pour vous. Est-ce qu'elle est pour toi, cher ami? Nous écoutons le groupe Harmonie, pour toi. Merci, groupe Harmonie, pour cette chanson pour toi. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour le Seigneur Jésus-Christ? Lui qui a tant fait pour moi, qui a tant fait pour toi, pour vous. J'aimerais vous demander de l'inviter dans votre vie en cet instant. Est-ce que vous voulez, vous aussi, tranquillement, là où vous êtes, sans pression, nous n'avons rien à vendre, mais nous avons une personne à vous présenter, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que lorsqu'un pécheur se repent, il y a tellement de joie dans le ciel. Et je peux comprendre, parce qu'à chaque fois que quelqu'un se convertit au Seigneur Jésus-Christ, il y a tellement de joie dans mon cœur aussi, et dans notre cœur. Eh bien, j'espère que vous allez sincèrement l'inviter. Vous dites, Fernand, j'aimerais l'inviter comme mon sauveur. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Là où vous êtes, vous allez vous incliner et vous allez lui dire sincèrement que vous l'aimez. Vous allez lui dire que vous l'invitez dans votre vie. Est-ce que vous réalisez en cet instant? Je vous demanderai même là où vous êtes de vous incliner. Et là, les yeux fermés, par les yeux de la foi, de vous représenter le Seigneur qui est près de vous, qui vous aime, qui met sa main sur votre épaule et qui vous dit, « Je t'aime, j'ai donné ma vie pour toi. Est-ce que tu veux m'accepter en retour? J'ai porté tes péchés à la croix. J'ai donné ma vie pour toi. J'ai enduré les clous dans mes mains. J'ai enduré cette couronne d'épines, les crachats sur mon visage. J'ai versé mon sang à la croix du calvaire. J'ai pris ta place. J'étais sur la croix à la place de Barabbas. Et nous sommes tous des représentants de Barabbas. Nous avons tous transgressé sa loi. Nous avons tous péché. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous aime. Dieu nous aime. Nous ne saurons jamais à quel point il nous a aimés. Il a donné son Fils. Et dites-lui sincèrement, là où vous êtes en cet instant, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je sais, Seigneur Jésus, que tu as porté mes péchés à la croix du calvaire. Faites-lui cette prière sincère
et sérieuse. Dites-lui, Seigneur Jésus, je t'accepte parce que tu m'as accepté le premier. Je t'aime, Seigneur Jésus, parce que tu m'as aimé le premier. Seigneur Jésus, je te remercie que tu as porté toutes mes fautes, toutes mes transgressions, tous mes péchés à la croix du calvaire. J'aimerais vous demander maintenant, pendant que vous avez encore la tête baissée, les yeux fermés, là où vous êtes, est-ce que c'est là votre prière sincère? Est-ce que vous avez demandé à Jésus de venir dans votre vie? Est-ce que vous l'avez fait sincèrement, sérieusement? Croyez que Dieu a fait ce miracle dans votre cœur, qu'il vous a donné une vie nouvelle, qu'il a pris sur lui vos péchés, et en cet instant vous donne une vie nouvelle. Dites-lui merci. Dites Seigneur Jésus, merci pour ce salut merveilleux en Jésus-Christ.